Bonjour chers amis, dans cette courte vidéo, je voudrais vous montrer comment vous pouvez utiliser les réseaux de neurones artificiels pour traduire n'importe quelle vidéo en russe dans n'importe quelle langue, et cela juste en deux clics. Prenons par exemple l'une des courtes vidéos qui ont été enregistrées en Syrie. Regardons d'abord l'original. Сколько же стоит разработка одного такого электродвигателя? Если смотреть на рынок, то цены совершенно разные. Это может быть цена и 10 миллионов долларов, а может быть и 300 миллионов долларов. Но в среднем стоимость такой услуги составляет 50 миллионов долларов за разработку одного электродвигателя. Таких разработок компания... Ну, я думаю, понятно, да? Je pense que c'est clair. Nous allons traduire cette vidéo. Pour ce faire, nous allons l'ouvrir dans un autre logiciel. Je vais utiliser Google. Vous voyez l'écran? Excellent. Ici, nous avons besoin du réseau de neurones HeyGen. Il est très facile à trouver. Vous devez écrire HeyGen et vous passerez sur le site web officiel. Je me suis déjà connecté. Là, vous devrez cliquer sur le bouton Get Started et vous pouvez vous connecter via votre compte Google. Ici, nous avons besoin de l'onglet Labs, puis Video Translate. Puis, nous cliquons dessus. Ici, tout est très simple. Vous devez télécharger la vidéo, sélectionner la langue et préciser le nombre d'orateurs. Nous choisissons l'anglais avec un accent, c'est-à-dire qu'il faudra garder les mouvements des lèvres dans la vidéo comme si une personne parlait vraiment l'anglais. Ensuite, vous choisissez le nombre d'orateurs, nous en avons un seul, et puis vous téléchargez la vidéo. Cependant, vous pouvez simplement faire glisser la vidéo que vous voulez traduire. Voilà, c'est fait. C'est tout, vous cliquez sur le bouton « Translate this video ». Ensuite, une fenêtre apparaît pour préciser combien de crédits seront prélevés de votre compte. Dans mon cas, c'est un crédit et demi, c'est-à-dire une minute et demie de vidéo coûte un crédit et demi. À noter que lors de l'inscription, vous obtenez un crédit gratuit, c'est-à-dire une minute de vidéo à traduire gratuitement. À l'avenir, vous devrez acheter ces crédits. Mais en principe, vous pourriez créer un nouveau compte. C'est une petite astuce pour que vous puissiez essayer cet outil gratuitement. Voilà, c'est tout. Vous cliquez sur « Submit » et la traduction de la vidéo commencera. Mais je l'ai déjà traduite. Par conséquent, je vais vous montrer une version déjà prête afin de ne pas perdre de temps. Allons voir. How much does it cost to develop one such electric motor? If you look at the market, the prices are completely different. It might be a price of $10 million or it might be $300 million. However, on average, the cost of such a service amounts to $50 million for the development of one electric motor. Sovelmash will have the capability to make such developments at a rate of 3 to 5. Je pense que le résultat est tout simplement magnifique. Par conséquent, utilisez cet outil dans votre travail pour attirer des investisseurs et des partenaires étrangers. C'est un excellent outil. Si vous avez des questions, écrivez dans le chat, je vais vous aider à comprendre.